Ça y est, on est parti pour une petite balade dans le Northumberland National Park, dans la forêt. Alors c'est un parc qui est relativement grand, qui couvre des forêts, des prairies. Bon, on verra bien ce que la nature nous réserve. Là, je vais essayer de faire l'ascension d'une petite colline et puis de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, le temps est très très couvert. On va appeler ça du brouillard, très à l'anglaise, je dirais. Donc, je ne sais pas si on aura de beaux paysages, mais en tout cas, on a de la belle nature. Je vous montre ça tout de suite. Voici un petit peu plus loin dans ce parc, dans une autre vallée, la Beamish Valley, où je vais essayer de prendre la roue pour aller jusqu'à une cascade, une chute d'eau qui devrait être assez sympathique. Et en tout cas, jusque-là, c'est très très joli. Je vous montre ça. Salut les moutons! Bah. Excellent, les moutons en liberté au milieu de nulle part. Ça, c'est génial. Voilà, juste à côté de moi, les classiques petits murets très distinctifs qu'on reconnaît sur à peu près toutes les photos du nord de l'Angleterre et de l'Écosse. Et ben voilà, ça y est,
On les a, je crois, qu'on commence à être dans ces beaux paysages. Formidable, il n'y a pas un bruit, c'est le calme absolu. Qu'est-ce que c'est chouette! Ah, quand même! Ah. Excellent, j'ai dû l'insulter en fait, trop drôle! Nous sommes plus très loin de cette cascade, mais les derniers mètres sont, comment dire, un tout petit peu boiteux parce qu'on a vraiment affaire à des chemins très très caillouteux. Même avec la monceur, c'est quand même assez compliqué de franchir ces caillasses-là parce que, regarde un petit peu la tête que ça. Attends, je te montre ça. Donc de la pente en montée. Plus ces cailloux, pas évident quoi. Et puis le monstre est quand même lourd, il a pas la nervosité de la Tesla, donc ça perd un petit peu mes repères. J'y arrive quand même, mais de temps en temps je mets pied à terre, j'avoue. On s'en fout, on est là pour se faire plaisir, pas pour se casser la figure. Continuons, on n'est pas très loin. Ça y est, nous voilà arrivés juste à côté de la cascade. Je l'entends, elle est juste derrière moi. Il va falloir descendre un petit peu pour pouvoir la contempler. Bon, l'accès est vraiment pas facile d'ailleurs, tout à fait être honnête. Je suis pas tout à fait sûr que je sois super autorisé à être là avec la roue parce que globalement, je crois que l'ensemble du parc est plus ou moins interdit aux cyclistes. On a vu avec les petits passages que même les piétons ont du mal à passer. Enfin, j'ai vu des gens avec une poussette, ils ont dû la laisser en bas parce qu'elle ne passait pas dans leur truc spécial piéton. Je pense que je tire un petit peu le diable britannique par la queue en étant ici avec ma roue. C'est pas grave, ils iront pas me chercher et on dira rien, hein. C'est pas comme si c'était sur YouTube. Oups. Bon, allons voir ce ours parce que l'air de rien, la nuit va pas tarder à tomber, c'est qu'il fait tôt nuit ici. Allez, go! Bordel, excès de confiance, je viens de cracher mon drone dans un arbre de l'autre côté de la rivière.
ça y est, me voilà de retour de la balade. Alors c'était une super balade, vraiment c'est très très joli, cette Plymouth Valley est absolument magnifique, même si j'aurais bien apprécié d'avoir un peu plus de soleil, mais malheureusement, comme vous l'avez vu, il y a eu un petit imprévu, le drone s'est lamentablement crashé dans un arbre, enfin c'est moi qui ai piloté n'importe comment, du coup je me retrouve peut-être sans drone pour toute la durée du road trip, je sais pas si je vais pouvoir le faire réparer là-haut en Écosse. Bref, suite au prochain épisode, allez, à ciao.